Bon, vous commencez à me connaître, je suis pas très organisée, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté. Bienvenue dans ce nouveau vlog qui a encore moins de sens que les précédents vlogs. C'est le vlog le plus chaotique de l'histoire, aussi appelé « C'est la vraie dernière fois qu'on se voit ». Un avis sur ce gâteau? Très bon. Heureusement que j'ai tout fait. C'est bon. Il est très bon. C'est trop bon. Mais que fais-tu ici? Je suis venue pour la braderie. Il fallait que je vienne. C'est un événement tellement important pour la France. Il y a beaucoup de monde. Moi, ça me dérange pas tant que ça. Bon courage à toi. Nous sommes là pour un des événements majeurs. C'est vraiment genre THE événement. Si vous n'êtes pas là, si vous ne connaissez pas, que faites-vous dans votre vie? Vous êtes dans une tanière? Regardez la nouvelle doudoune d'Inès. Elle fit parfaitement avec mon outfit. C'était incroyable ma vie. Achète-la. Salut à tous, c'est Inamour. C'est inexplicable. Nous allons vous présenter les personnages de ce vlog. Marie, Jacques, Léo, oui. Nora, Lucie, Valentine. Oh non, pas en vlog. Salut, ça va? Moi ça va. Tellement gros que je suis obligée de faire ça. Salut les amis, c'est la Tirette à sous. Tirette à sous est un endroit où on tire des billets, donc un distributeur. Pas me cadrer, c'est horrible. Elle a trop le bras adapté, j'aurais un bon angle et tout, c'est horrible. T'as trouvé ta Tirette? Ouais, elle est juste là. Ouais, tu peux. Oh, c'est des Pokémon. Qu'as-tu acheté? 3-0. Tes jeux de la pluie, c'est nickel. Un meeting de Mélenchon. Tout Lille s'est rassemblé, rien que pour Jean-Luc. C'est pas comme s'il y avait une braderie. On a découvert ça, j'étais là en mode quoi? On a de la pitié et Inès à côté. Alors, si elle est différente. Je sais pas. Elle est bonne. Bah, elle est. C'est de l'eau quoi. Ouais, mais elle est très claire. C'est de l'eau. Un avis sur le canapé. Confortable. Alléluia. Alléluia. Et je vais vous faire compte rendu de la prochaine partie. Inès vient de perdre en disant 2 sur la dernière carte. Regardez, c'est le t-shirt de l'hôtel MAF. Bah moi c'est un truc de sport. La nouvelle partie vient de commencer. Putain mais j'en ai marre, regarde la caméra, c'est compliqué le métier d'Inès quand même. Ça s'annonce risqué parce que Marie a plus le as. Notre duc bah il pue la merde et c'est Inès. Un certain dégoût du côté de Inès. Communauté, je vais vous appeler les Inespliqués du coup. Regardez le magnifique coloriage que j'ai fait pour Valentine. Je me suis acheté ça avec mon passe culture, c'est merveilleux. Et on a mangé McDo. Bonjour! C'est zinzin! Et le 10 septembre, samedi, mangeons une frite, soirée bien beau. Comme d'habitude, la BG elle fait chier. Il crie de partout, il monte sur la scène et il se frotte entre eux, il se tire le bras un peu plus haut. Et nous, regardez, on joue. Il y a une petite, elle descend sur la scène et elle marche. Et il y a la grande, elle a plus grande, genre à tout plein, et elle est genre à l'enfant. C'est hyper violent! J'ai cassé la télé! Oui, Jeanne a cassé la télé, regardez quand on met du son. Danser. Bonjour, plus calmement qu'hier. Nous sommes le 11. Un avis sur la soirée moule frites, Inès? Chaotique. Enfant. On a joué à Mario Kart et à TV Superstar. Après, on a regardé YouTube et on a fait dodo. Et du coup, cette nuit, on a dormi à deux dans un lit. Une place et demie. Déjà, t'as dormi là. Et du coup, pas d'accident cette nuit. Je t'ai touché le coude un moment. Moi, je crois que je t'ai touché vite fait un moment. Mais... Bah, ça. C'est peut-être la dernière fois qu'on te voit. À chaque fois, ils te voient, ils en peuvent plus. Mais va-t'en, Valentine. Normalement, je parle le 21. Normalement, dans 10 jours, je suis plus là.
Bonjour. Comme vous pouvez le voir. Attendez, quel jour? Mercredi 21 septembre. J'aurais dû partir au Pérou aujourd'hui. Donc elle est encore là, présente dans chacune de mes vidéos. Une fois qu'elle sera vraiment partie, il n'y aura plus de vidéos. Ce sera fini. Ce sera fini cette chaîne YouTube. Vous allez sur ma chaîne, YouTube. C'est vrai. Ma chaîne s'affiche ici. Comment tu veux que je l'affiche? Des paillettes et une licorne qui passe au-dessus. C'est parti, je vais vraiment le faire. Du coup, Valentine ne parle... Je suis fatiguée. Elle ne parle... Non mais c'est le pire vlog de la planète. Déjà ils comprennent rien. On passe de AXA Pro en... J'arrête de parler, j'arrête. Je vais probablement aller en Colombie à la place. Mais c'est une longue histoire. Je pense que je raconterai ça sur ma chaîne YouTube. Je suis là pour cette nuit parce que je travaille à Marcq-en-Barœul. Et du coup je viens dormir chez Inès. Ma mère voulait que je m'invite. Enfin, quelqu'un m'a demandé, tu peux pas aller chez Inès? Bah si, mais je vais pas m'incruster bah, pour si. Juste une nuit. Elle veut me montrer une vidéo du coup. Quoi? Elle a fait une cover d'une chanson, il n'y a pas de paroles. Elle répète ça en boucle. C'est que je suis habituée. Hein. Limite, je trouve ça bien maintenant. Non, allez, c'est pas bien, c'est ok. Enfin, bref. Imagine, elle est abonnée à toi sur YouTube. Je suis désolée, tu chantes trop bien. En vrai, moi, je crois en elle. Un jour, elle va plus savoir chanter. C'est juste qu'il faut qu'elle s'entraîne. La danse, elle gère, par contre. Ouais. Ça, on se moque pas d'elle. Elle gère vraiment. Peut-être que là, on rigole, mais sur toutes ces vidéos, je commente en mode ouais, bravo et tout. Genre, je suis pas une hater. De toute façon, je ferai pas mieux. Un jour, ça va devenir une chanteuse et j'aurai été sa première fan. T'as du talent, on croit en toi. Faut juste un peu d'entraînement. Nous allons vous raconter une histoire. Tout commence le 8 septembre. Un jeune homme sur Instagram qui m'envoie oui, répond moi aussi, wesh. Moi je comprends rien. Point d'interrogation. Il me répond aussi des points d'interrogation. Il me répond désolé, ce que je dis c'est inexplicable. Bien joué pour l'approche. Du coup je lui ai demandé si on se connaissait. Il m'a dit non mais le but c'est de se connaître. Du coup je lui ai répondu désolé mais c'est inespéré. Des jours passent. Moi je me dis bah c'est bon, l'histoire est finie. Puis je me mets en public et il répond à mes stories. Bon, ensuite je me dis bon, tant qu'à faire il est là. Si je lui fais un interrogatoire de police, il va fuir. Vous vous rendez compte? Elle vient faire un interrogatoire. Parce que c'est bien sympa de parler à quelqu'un, mais il habite où? Paris. Encore un parisien. Du coup, il m'accepte le temps que je regarde son compte. Là, c'est la partie qui ne sait pas. Et si il tombe sur cette vidéo, quand il va se rendre compte. Ça enregistre tout. Je fais défiler ses abonnés, ses abonnements, ses stories. Et j'envoie tout, mais tout à Valentine. Elle regarde tout, tout, tout. Elle me fait un vocal de 2 minutes en me détaillant toute la vie du mec. Il adore dire mon prénom aussi au bout de ses messages. Oui, il le dit tout le temps. Je l'ai bombardé de questions et il a répondu sans réfléchir. Il s'est pas dit, ouais, elle est chelou celle-là. On va faire des frites parce qu'il fait des frites au four et moi c'est pas un truc que je peux concevoir. Ça ne s'accepte pas ça. Le week-end, on se parle plus. Bye. De toute façon, c'est un parisien, on reste concentré. Lundi, il me renvoie un message. Il me dit désolé si je t'ai pas trop parlé. J'avais envie mais je savais pas quoi dire. Genre, j'arrive pas à le cerner. Et qu'en plus, il est arrivé de nulle part. J'ai l'impression que soit c'est un fake, soit c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Voilà, ça se trouve, la personne qui l'a envoyé est en train de bien rigoler. Moi, il y a des psychopathes pas, dans la vie. De toute façon, on le fait une fixette là-dessus. Il m'a dit des choses très très mignonnes. Et moi, je pense que tu n'es pas un fake. Je pense que tu es une personne réelle et honnête. Non, c'est un mec et il peut pas être honnête. Tout ça pour dire que je vais faire un interrogatoire de police en espérant le faire fuir. Ça finit en déclaration. On est le lendemain d'hier. Oui, mes phrases n'ont pas de sens. J'ai pas le temps de réfléchir. Pour l'instant, dans mon vlog, on dirait que je suis au chômage. Mais détrompez-vous, je suis en L1 de droit. J'ai 2 dissertations à faire par semaine. Et du coup, là, il me reste 1h30 pour compléter mon plan, faire mes transitions et recopier tout ça au propre. C'est la merde. Quand je suis stressée, j'ai besoin de procrastiner. Hier soir, j'ai appris que Valentine partait jeudi prochain. Demain, je vais dormir chez elle. Très, très fort pleurer hier quand j'ai appris ça parce que Valentine, je l'aime. Elle m'aide vraiment beaucoup. Je pense que sans Valentine, là, je ne serais pas en train de faire un vlog. En vrai, vraiment, elle m'a trop aidée. Ah, mais Valentine, je t'aime trop. Et genre, si t'avais pas été là, j'aurais été dans la merde. Genre, j'aurais été dans un état pitoyable. Et grâce à toi, j'ai le sourire actuellement. C'est une putain de déclaration. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mon cerveau, en ce moment, est mort. Je ne comprends pas ma vie. Je ne vous l'avais pas dit dans ce vlog, je crois. J'ai été m'acheter pour la rentrée des Forum Adidas. Ma grand-mère m'a offert des bottines pour l'hiver. J'ai eu une plante aussi. Et là, dans quelques jours, je reçois une commande Vinted. Alors, j'ai encore fait une affaire de malade. J'ai eu une jupe, un blazer et une chemise pour 3 euros. Mais 7 euros avec les frais. Je vous abandonne. Je retourne à ma dissertation. Il faudra que je vous parle de la fac un jour, que je vous fasse un vlog à la fac. Mais pour l'instant, je me sens pas assez en confiance, assez à l'aise. Aussi, je voulais m'excuser pour ma tête dans les derniers vlogs. Genre, j'ai l'impression que j'étais morte, horriblement moche. C'est normal, je venais de me faire quitter. Je pense que on assiste à un petit glow-up. Minou et moi vous disons à demain pour voir Valoche. Pour la dernière fois, pour de vrai cette fois. En toutes les vidéos, on vous dit que c'est la dernière fois qu'on se voit, mais ça sera vraiment la dernière fois. Vendredi 7 octobre. Et aujourd'hui est un grand jour. Je me cadre plus du tout.
qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et cette fois c'est la vraie dernière fois, c'est pas on vous dit ça et on se revoit la semaine prochaine, non. Là elle part. Bah là on est en train de marcher dans un champ comme vous pouvez le voir, parce qu'on va voir un coucher de soleil. Ça fait 2 ans qu'on se connaît maintenant, et ça fait 2 ans que à chaque fois que je viens chez elle, je suis en mode oh c'est quand que tu m'emmènes voir le coucher du soleil. Sauf qu'en fait on n'a jamais été. Il serait temps d'y aller quoi. Sauf que maintenant elle râle parce que le chemin lui plaît pas et elle dit que ça va être nul. Non mais s'il vous plaît, regardez l'endroit. Est-ce qu'on voit un coucher de soleil digne de ce nom? Même le chemin est cabossu. Ça veut rien dire. Vous, la dernière fois, on vous a parlé d'un Parisien. Où est-ce qu'on s'était arrêté? Voilà, elle voyait toujours le mal. Que moi, j'étais là en mode bah non. Enfin, je veux dire, il est gentil. Puis il s'accroche. Premier contact, elle la recale. Après, elle fait un interrogatoire et tout. Et ce pauvre garçon faisait accuser comme ça tout le temps. Et donc, au bout d'un moment, il était là en mode bah j'arrête. C'est hyper violent. Mais il a été dramatique quand il me l'a dit. Moi, je pense qu'il était vraiment blessé. Si un jour il passe par là, bah. Moi, je t'aimais bien, je croyais en toi. Désolée. Mais c'est parce que t'es un Parisien, ça passe pas, ça passe plus. J'ai dit, en vrai, j'aimais bien te parler. Et il a dit, oui, ouais, moi aussi. Ouais. On arrête de blâmer ce garçon, il est triste. Je suis pas déçue, regardez-moi ça, c'est très beau. We joked as we looked that they were too good for us. Cause socially speaking, we were the same with runaway fathers. Je n'avais plus de batterie sur ma caméra. Un récap de la soirée. On est rentré. Il y avait un chemin noir très flippant. Et après on a rejoint un pote à Valentine. Et il est trop gentil. Et genre on a marché, on a parlé, c'était trop cool. Crash test du matin. Je vais goûter du lait d'avoine. J'ai la couleur du truc. Tu sais, j'ai l'impression de voir un smecta. Genre, ouais. Ça me dégoûte. Tu sais, j'ai fait une paralysie cette nuit. En fait, genre, je me suis réveillée une première fois à 8h30, je crois. Après, je me rends compte. C'est venu endormi du coup. Genre, il y avait des chiens sur moi. Et après, à la fin, il est un peu devenu agressif. Genre, en mode, tu sais, il joue, mais il casse couille. Non, en fait, je me suis dit, bon, la paralysie du sommeil. Pas ouf. Pas fou, quoi. Au moment où je me dis pas fou, t'as une petite fille à côté de moi qui me regarde comme ça, qui fait. Et dans ma tête, j'étais en mode frère, va-t'en. Bonjour. Je suis encore là. C'est le vrai dernier jour. Je vois Inès. Non. Nous sommes à Lille. Il est extrêmement tôt. Il est genre 9h. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour se voir? On va peut-être faire des frites. On n'a pas décidé lesquelles. Et de toute façon, là, elles sont fermées. Tout est fermé actuellement. On a décidé de faire tous les clichés de Lille. Donc là, on monte les fameuses marches. Sachez que tous les Lillois se mettent ici au moins une fois dans leur vie. Tout à fait. Devant la grande place. Magnifique. Il est 11h. On a fait 2 frites. Elles étaient nulles, hyper chères. Et du coup, à la place, on est allé chez Emma. Inès m'a fait acheter ça. C'est un chocolat en pendule. Ah, c'est même pas un i. C'est une blague. Si, c'est un i. Ah si, il y en a deux. J'ai eu très peur. Un o. Attends, elle est végé, écolo, elle va chez McDo. Et en plus, elle prend un wrap au poulet. T'as pas honte? J'ai pris le seul wrap qu'il y avait et genre je clique sur information. Il y avait pas marqué de texte. Là. Moi, je dois manger ça. Petit McFlurry. It's time.